Being here today is not the end of a long road. We are in the middle of the road or in the middle of a bridge between those who work for social justice and social progress in Europe, meaning on this side, on the Mediterranean Sea, together with you, our partners from Morocco, from Algeria, from Tunisia, and from Egypt. L'Union européenne doit opérer un véritable changement dans les fondements de sa politique extérieure, s'il veut être crédible et cohérente. Indépendamment des éléments de sécurité et de stabilité, en mettant en avant les droits de l'homme et la consolidation démocratique. Il y a une complicité de quelques pays dans l'Union européenne pour toujours sauvegarder ce régime dictateur, et nous demandons à revoir parce que l'Algérie va exploser. La grande fierté de l'Europe, c'est le modèle social. Mais elle pourrait en avoir d'autres fiertés, de rester le continent qui ne fait pas de commerce, qui ne fait pas de coopération intergouvernementale au détriment des droits fondamentaux des peuples. We want to, from foreign government, policy makers, not just to deal with our government, but with our citizens and our civil society as well. Qu'en tant que députés, nous soyons très très à l'écoute de la société civile et qu'on puisse prendre en compte cette voix de la société qui est différente et qui n'est pas celle des États, surtout quand nous avons affaire à des gouvernants autoritaires ou dictatoriaux. Se han movilizado y han conseguido derrocar liderazgos y gobernantes autárquicos. Esta es una materia prima que puede transformar en grandes resultados para sus sociedades en el futuro. There is a strong necessity for Europe to play its role and not just in a sense of economical exchange where just one side benefits, but where Europe and the Arab world are equal partners. Plaider pour un développement inclusif qui établit un meilleur équilibre entre efficacité économique, travail décent et protection sociale. Et respecter l'ensemble des droits de l'homme. Faire attention aux droits civils et politiques, aux libertés fondamentales, mais ça veut dire aussi faire attention aux droits économiques et sociaux. Parce que moi, je suis militante des droits de l'homme. Et pour moi, les deux vont toujours de pair. Les 1500 disparus depuis la Révolution dans nos mers. Là encore, c'est une tragédie humaine qui est partagée entre vous et nous. La circulation des personnes, c'est un droit humain. Nous demandons de la mobilité, pas forcément de la migration. We're looking at the youngest population in the world, people that are unemployed but do have a good education and that look for chances. I think we should look upon European North African cooperation as if it was an inter-European mobility. That would help, I'm assured. We should bear in mind that the countries are master of their own destinies. Even if we are fighting for universal values, we should make available the know-how we have if the countries are asking for it. And what should we do, and I looked into the recommendation Solidar is giving, and they are very, very right. There will be a stronger engagement with civil society, and not only with governments, as a pillar of the new approach. What we would like to say is for sure, it is a first step. We see that the topic that we have been choosing, promoting social justice, solidarity also through economic development, solidarity when it comes to human rights, to civic rights, to civil rights. This is our issue, this is what Solidar stands for, and I think on this we can make a particular contribution, which we can do because of you.